Ok. Je vais. Non, maintenant, gestion de la moto. Terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyer un snap. T'arrives, hein? D'abord, les prioriser. J'y vais, il y a écrit ça comme ça. Au revoir, Tanguy. Bienvenue à tous, les amis, dans une nouvelle vidéo. C'est détrempé. Allez, Lulu. Le Lulu, il se chauffe. On va couper les branches. Fais gaffe, t'as des ronces derrière. Il faut qu'on aille là-haut. C'est incroyable. Faut l'appeler, hein. Il est là. Ok. Allez, aujourd'hui, colis de chez iRod. Qu'est-ce qu'on a? Petit protège-main, circuit équipement qui vont bicher. On va voir ça juste après. Pour la WRZ et pour la 125, on a donc petite chaîne, couronne qui vont être montées juste là. On va pouvoir graisser tout ça encore une fois avec la petite commande qu'on a reçue. Voilà donc une partie des produits. Alors pourquoi il n'y en a que un à chaque fois? Tout simplement parce que c'est plus pratique, je trouve, quand tu fais de la mécanique. Et aussi, ça évite le gaspillage. Parce que c'est vrai que quand on a 3-4 de chaque d'avance, tu as toujours l'impression que tu vas en avoir assez. Donc tu as tendance à en utiliser plus. Et donc tu gaspilles. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Donc c'est pour ça que j'en ai mis qu'un à chaque fois, à part pour les huiles. J'en avais déjà que j'avais d'avant qui sont là, donc je les ai mis. Mais vu qu'il n'y en a plus beaucoup, tout simplement, voilà, je vais pas en mettre une demi. Là, c'est pareil, j'en avais ouvert deux. Donc voilà. Et aussi de ce côté, on a donc le petit savon pour les mains. Alors, c'est un savon avec des microbilles, mais ça aussi, je vous en parlerai. Et en fait, ça va permettre d'enlever toutes les saletés vraiment, vraiment bien. Voilà, puis après, bien sûr, il faut se rincer les mains. Mais ultra ultra pratique. Et ici on a donc pour nettoyer le filtre à air, la chaîne, on a la samouraï de temps et on a le bidon iPhone de 20 litres. La différence entre ça, je sais pas si c'est une origine au final. Si. Je pense, hein, ça ressemble. Et une petite moto master, regardez-moi ça, en noir comme ça, avec les petits côtés chromés, ça va être bijou. C'est remonté, hop, plus qu'à la mettre sur la petite 125 et puis le kit chain aussi à mettre. Parfait. Ça, c'est beau, ça. Là, la chaîne dorée comme ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Voilà comment ça rend. Regardez ça. Je trouve que c'est le top parce que t'as pile la bonne dose de rouge. Oh, la chaîne, ça barotte là. Ça, c'est grissé là. Ça, c'est neuf. Allez, ça, c'est neuf.
ça c'est pas neuf mais c'est graissé. Pop pop pop. Et en Californie ils font ça, ils prennent des vieux slips free gun bien démodés pour éviter d'abîmer les motos. Et ça c'est aussi c'est une technique qui vient de Miami. On va tout ça. Ça vient de Miami. Miami Beach même. L'exception. Il y a un qui conduit. Il y a un qui a cours. Il y a un qui fait rien. On vient de lui dire que. Il a envoyé une photo à la prof. La prof vient de dire j'ai vu ton snap, heureusement c'est pas toi qui conduis. Ah là là c'est trop. Mais c'est que tu l'as sur snap ta prof. Ouais. Ça te charge tu vois. Tu l'as sur snap ta prof. Ah elle est lourd. Dis-lui je vais rouler. Ok. Je vais. Non, maintenant, j'ai sur la moto. Terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Envoyer un snap. T'as réussi, hein? D'abord, les prioriser. J'y vais, il a écrit ça comme ça. Au revoir, Tanguy. Ah bon? Ok. Allez, go! Ça m'a défoncé les deux épaules. J'ai mal nulle part sans faux épaules.
Par contre, je veux la vidéo moi après. Décalé Guada, eh eh.